Donc nous sommes à la Tour Eiffel. Là, comme vous venez de le voir, en fait, il y a les agents de la municipalité qui sont en train d'évacuer le matériel qui était prévu pour faire la cabane. Et ils en profitent pour jeter aussi les sacs avec la nourriture. Voilà, les bouteilles d'eau, enfin bref. Donc voilà, il y a des gens qui meurent de faim partout dans le monde. Et eux, ils font quoi? Ils jettent tout. Voilà. Donc ils jettent les sacs. Alors, de... Non, on m'a dit qu'ils n'avaient pas, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas la réponse à ma question. Donc là, pour l'instant, on est toujours nassé. Nous avons Radio Tongo, ça qui est juste ici, avec Christelle, que vous devez connaître. Et un petit peu plus loin, bah là, on a des journalistes ici. Hop. Et là, voilà, vous avez Priscilla qui est en train de faire une interview. Et donc nous, on attend tranquillement de pouvoir sortir de là. Alors, pourquoi effectivement ce groupe se retrouve le samedi prochain? Les autres sont de l'autre côté de la barrière et nous, allô, bah, on attend. Ça va? On attend. Allô? Il y a pas mal de journalistes hein, quand même. Vous voyez, on est au pied de la Tour Eiffel. On est au pied de la Tour Eiffel et vous les voyez là-bas qui sont en train de débarrasser le matériel, de jeter les sacs de nourriture. On n'attend pas l'avocat. Hein? On n'attend pas l'avocat. Il va venir, mais on sera sorti. On sera sorti. Bon, donc du coup, je vais donner ma pièce d'identité et je vais sortir. Ouais. Je vais sortir? Non, pas encore, madame. Ok. Je peux pas encore sortir. D'accord. Et je vais vous emmener. On peut sortir là. Bah, normalement c'est bon. On peut sortir. On peut sortir. Enfin ils vont venir nous récupérer. Mais... J'ai une claquette. Voilà, donc ils prennent nos identités. Là il y a la petite dame, vous devez la connaître, qui avait interpellé Monsieur Macron pendant un grand débat. Je sors de là, j'ai pas d'arme. Ils sont fous, hein, ils sont dingues. On a Christelle de Radio Tongosa, ceux qui connaissent. Il y a vécu qui est pas très loin. Hop là. Voilà, moi je viens de sortir du nassage. Je suis juste ici. On a les journalistes qui sont là. Et allez, au suivant. Ça me rappelle le fort de Briançon. Ah ouais, ouais. On avait même été faire un tour de voiture. Ah ouais.
Vous habitez toujours dans 11 boulevard. Voilà, donc là, du coup, moi, je suis sorti du nassage. Donc, quand même, contrôle d'identité, numéro de téléphone. Il me demande, Nadine, mon identité, parce qu'en fait, on était en train d'essayer de monter un campement au pied de la Tour Eiffel. Voilà, un campement de gilets jaunes avec Priscilla Ludowski et bien d'autres personnes encore. Et donc, du coup, voilà, pour pouvoir sortir, c'était présentation de la pièce d'identité. Voilà, il y a un avocat qui arrive pour les personnes qui n'en ont pas sur eux. Parce que, bien sûr, tout le monde n'a pas sa pièce d'identité sur une manif. Et oui, c'est honteux. C'est honteux. Avec ou sans gilet, c'est pareil. Exactement. Voilà. Donc du coup là je vais faire le tour de la barrière, je vais retourner voir s'il y en a encore qui sont bloqués. C'est franchement aberrant. Aberrant. Et ils ont beau nous dire oui on est pas méchants, si ça caillasse pas, si cela on bouge pas. Mais en attendant, avoir un procédé pareil, c'est un peu limitant. Voilà, donc là, on est de l'autre côté de la barrière. Il y a encore Christelle de Radio Tongosa qui est dans le nassage. Moi, je suis sorti, je vais juste aller dire. C'était là ? Je suis là. Ah, t'es sorti, toi ? Allez. La sœur. Voilà. Bah Charlotte, en fait, je sais pas si vous allez voir là-bas, je vais essayer de zoomer. On a... Eh ouais, ça y est. Je suis pas rentré. Voilà, donc en fait, là-bas, on a ramené le matériel pour monter une cabane. Et donc, du coup, ils sont en train de tout enlever. Ce qui est quand même une honte en plus de ça, c'est qu'il y avait des sacs avec des denrées alimentaires, des bouteilles d'eau, enfin voilà, beaucoup de choses qui sont également jetées, des couvertures, des tentes, enfin beaucoup de matériel. Il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent de froid, il y a des SDF partout dans Paris. Et on se permet d'avoir ce type d'action, je trouve ça tout simplement scandaleux. Enfin voilà, je ne sais même pas quoi dire. En fait, on a voulu monter un campement pour le week-end. C'était un sitting qui était prévu sur Paris. Et au moment où on a commencé à monter la cabane, en fait, il y a une cavalerie de CRS qui est arrivée. Vous les voyez ici, hop, vous les voyez là. Et ils nous ont encerclés de toutes parts grâce à ces grillages notamment. Et du coup, voilà, pour sortir, présentation de la pièce d'identité. Donc voilà, on a été obligé de faire un petit contrôle, numéro de téléphone, carte d'identité ou passeport. Voilà, il y a beaucoup de médias sur place, donc je pense que vous allez voir quelques infos à la télé, avec une interview de Priscilla Ludowski, parce que j'ai vu qu'elle avait fait une interview. Et oui, ils vont les jeter. Oui, ils vont les jeter. Ils sont en train de charger les camions là-bas. Vous voyez les palettes en bois, enfin les poteaux plutôt, pour monter le campement. Et dans un petit camion à côté, vous avez les sacs avec la nourriture. Je vais essayer de m'approcher. Vous
Vous avez les sacs avec la nourriture et les couvertures, tout ce qu'il y avait pour pouvoir rester sur place et dormir ici tout le week-end. Rien à la télé pour le moment, mais je pense que ça va arriver parce que là il y avait CNews, BFM, France Info, RTL, enfin il y avait tout le monde, tous les journalistes. Il y avait RT France, enfin voilà, il y avait beaucoup de journalistes. Vous voyez, la Priscilla est d'ailleurs encore en train de faire une interview. Juste ici. Voilà. Alors Charlotte, en fait, il y a une demande qui a été faite auprès de la préfecture. Mais il faut savoir que les manifestations ou les rassemblements, aujourd'hui, vous pouvez les déclarer, mais ils sont déclarés, mais ils ne sont pas acceptés, ils ne sont pas validés. Donc en fin de compte, c'est pour ça que ça ne sert plus à rien de déclarer une manifestation, parce que quand vous déclarez une manifestation, quoi qu'il arrive, ça ne sera pas autorisé. Voilà. En tout cas, celle des gilets jaunes, les autres, je ne sais pas. Désolé pour le vent. Pourquoi pas récupérer la nourriture parce qu'on ne peut pas en fait. On a voulu mais impossible. Voilà, ils ont fait un inventaire, ils ont demandé qui avait ramené quoi, etc. Et tout la poubelle. Pour la pièce d'identité, si légalement on doit avoir une pièce d'identité, mais bon après. Là, pour ceux qui n'en ont pas, il y a un avocat qui arrive sur place et qui va s'en charger. Voilà. Mais c'est pas grave, on lâche rien. Il y a autre chose de prévu. Voilà. Allez. Ça en devient limite ridicule en fait de voir autant de ramdam pour pas grand chose au final parce que c'était vraiment une action pacifiste, il n'y a aucune violence. Moi c'est mon premier rassemblement sur Paris parce que j'étais dans le sud de la France et franchement j'ai rencontré des personnes vraiment extra et je suis très content d'être venu et de voir ce que les CRS à Paris sont capables de faire contre ce mouvement. Oui, jeter la nourriture, Florence. Ben, je sais pas s'ils vont les garder pour eux demain, mais écoutez, les sacs sont dans des bennes, donc je n'en suis pas si sûr. Voilà, mais bon, il y avait des packs de bouteilles d'eau, il y avait, il y avait des merguez, il y avait plein de choses comme ça, donc. Moi, tant que ça va pas à la poubelle, voilà. Si ça peut partir à des assos ou je ne sais pas, ok, mais pas à la poubelle par contre. Voilà. Bon, voilà, moi j'ai coupé mon live parce que je commence à me geler un petit peu, parce qu'il fait pas si chaud que ça à Paris. Je pense que vous allez voir des petits briefs aux infos. Il y a encore des journalistes qui sont en train d'arriver, qui arrivent à la bourre. Dommage pour eux. Je ne sais pas qui c'est. Mais voilà. Voilà. Bon, allez, je vous abandonne. Bonne journée, puis lâchez rien pour ceux qui sont dans les régions. Ne lâchez rien, n'oubliez pas le 16 mars, tous à Paris, pour ceux qui peuvent. Et on lâche rien. Bon courage à tous.